compagnon de l'indépendance. Bonjour, Elage. Bonjour, monsieur. Veuillez vous présenter à guinematin.com. Mais je suis Elage Birokanté, compagnon de l'indépendance, ancien gouverneur, ancien ambassadeur. Elage, vous venez de participer à la célébration du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance. Oui. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Eh bien, vraiment, je vous assure que ce n'est sans émotion que j'ai assisté à cette indépendance, parce que je suis au milieu des jeunes qui n'ont pas vu et le président m'a circulé et qui n'ont pas connu cette journée-là, la journée du 2 octobre 1958, nous avons proclamé l'indépendance de la Guinée. Et cette indépendance, elle a été acquise de haute lutte. Car après la proclamation de l'indépendance, je vous assure qu'une lutte, une guerre acharnée s'est livrée contre la Guinée. Nous avons assumé. Et jusqu'au 3 avril, et c'est là, le 3 avril, c'était le point culminant de la lutte que la France nous a menée. Parce qu'elle a été, parce que ce n'est pas un coup d'état crapuleux que notre commandant, la Touré, a dirigé. Et vous avez vu où nous étions. Quand Alpha, le président Alpha Condé a dit, je prends la Guinée là où le président se trouvait la laisser, il a dit vrai, mais non aussi. Parce qu'avant qu'il ne vienne, tout ce que le président se trouvait la laisser a été détruit par la junte militaire. C'est un coup d'État, même qui a disloqué le tissu social. On n'a jamais vu que les Malinqués prendre des fusils les uns contre les autres. Non, je refuse. Tout ce qui s'est passé, c'est pas les peuples. De la France. Et la France avait des hommes. Peut-être que pas une tourée. Il a préparé le coup d'État. Vous voyez son dernier entretien avec Yamoussa Touré. Vous comprendrez que franchement, la Guinée de Sifoutou a souffert, que vous avez souffert. Est-ce que, hélas, il y a une différence aujourd'hui dans la célébration de cette fête à votre temps, au temps du premier régime et en ce moment, parce qu'aujourd'hui on a vu moins de mobilisation ici. Eh oui, bah, vous savez, en ce temps-là, le peuple était motivé, conscient. Vous savez ce que vraiment tout ce qu'il faisait, il faisait pour lui-même. Il ne faisait pas pour un groupe d'hommes, un petit groupe d'hommes. Il n'y avait pas de privilégiés, tout le monde était patron, tout le monde était chef, tout le monde était responsable. En Guinée, aujourd'hui, tout le monde court derrière le pain. Tout le monde. Et vous tous, combien d'entre vous ont du travail? Non. Vous êtes journaliste, vous avez des petits qui tournent autour de vous, qui sont diplômés, sortis de la chose. Or, en notre temps, tu sors de l'université, tu as du travail. Il va me dire que ça ne te suffit pas, mais le minimum vital était assuré à tout le monde. Et pourquoi aujourd'hui, tout le monde court derrière le pain? Et personne n'abandonnera. Et ça pour venir vous arrêter à peu près de vous ici, pour regarder ce drapeau et machin. Merci. C'est ça ce qui nourrit le peuple. Merci. Voilà, nous avons fait tout, ni tout, c'est au service du peuple. Alpha. De Guinée. Je vous assure. Merci, là. Merci.